Essayer d'avoir celui-là. Non. Essayer d'avoir celui-là. Je peux pas, de toute façon. Ouais, bon, allez. Hop. Celui-là, de toute façon, je peux pas vraiment avoir mieux. Non. Il m'en manque combien? Deux. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Bien joué. La récompense est à vous. C'est fait. La terre se réveille. Bah, qu'est-ce que j'ai? Essence en bouteille. Utiliser un. Alimenter le moteur d'innovation pour créer une étincelle de. J'ai. Ok, d'accord. Servez l'ordre. Oh! Ah ouais, et puis du coup. Ah oui, mais. Ouais, attendez. Retourner auprès du moteur d'innovation Notre avant de veille la. à une Ok. prochaine fois, mortel. Non, c'était bien elle que je voulais. C'est juste ça. Je veux le suivi. Voilà. Ah! Fort sympathique. Elle me laisse un portail. Tant que j'y suis. Ravi de vous revoir. Salutations, mortels. Alimentation du D'autres moteur. défis vous attendent. Vous avez surmonté avec brio la première épreuve conçue par le gardien tir, bien qu'il s'agisse seulement du début de votre périple. J'ai toute confiance en vos capacités. Vous avez gagné le droit de vous améliorer en débloquant les secrets de la forge. Ajoutez l'essence de la bouteille au moteur de l'innovation et voyez ce qui se produit. Utilisez l'essence en bouteille pour alimenter. Non, non, ok. Bon, Soyez à la hauteur. allez, c'est parti. Votre première étincelle d'ingéniosité est prête. Vous cherchez un défi à relever? Je vais éprouver votre courage. Voyons si vous êtes à la hauteur. D'autres défis vous attendent. Bon. Qu'est-ce qui se dit en ville? C'est un sacré petit bidule que vous avez récupéré de l'appareil des Titans. Passez-moi donc ça. Je plaisante, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on pourrait en faire de ce machin. Et vous? Allez donc en causer avec Mimsy Rocampaf. Elle a toute une organisation en place pour aider les gens avec les commandes d'artisanat. Les commandes d'artisanat. Suffit d'apporter le matos et quelqu'un d'autre prend le tour pour vous fabriquer un truc. C'est simple comme bonjour, pas vrai? Et dites. Et lui dites surtout pas que c'est moi qui vous envoie. Parlez au responsable des ventes, Mimrit. Ok, d'accord. Voyons cela. Voyons cela. Ah, oh zut, j'ai pas été. J'ai pas laissé le chargement suffisamment longtemps. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est là. Et bien sûr, j'ai un chat qui veut sortir. Donc ben, je vais devoir y aller. Attendez, hop. Le temps, c'est de l'argent. Ok, bon. Revenez vite. Ah, commande d'artisanat. Vous pouvez tourner. Vous pouvez retourner voir tour. Ok. Plaisir d'avoir pu vous aider. Moteur d'innovation. Bon, ok, d'accord. Question ici, du coup. Encore? Je peux pas, je. Parce que j'ai vu que. Éventuellement, je pouvais bosser, quoi.
Portez-vous bien. Bon. Ils veulent pas que je travaille. Ok, alors ce fameux moteur d'innovation là. Je vais éprouver votre courage. La ténacité finit toujours par payer. Ah. Ne faiblissez pas. Je sais pas du coup. Je. Bon bah on a fait ça en plus. Ça nous a débloqué 300 points. Donc 10% de notre quête de réputation. Ce qui est correct, hein, mais bon. On aurait aimé plus. Les transmo, c'est là, tiens. J'ai rien à transmo, moi, par hasard. Non, ça, c'est ma chambre du vide, ça. Je fais un carré. Hop. Ouais, si. Voilà. Non, mais. Voilà. Histoire qu'on garde un peu la classe. Bon allez, j'allais ouvrir à mon chat. Et du coup, bah, je vais aller faire les... Ben, en fait, on va s'arrêter là jusqu'à ce que la campagne éventuellement continue. Et puis, on verra bien où ça nous mène. Mais les expéditions, je vais pas les faire avec vous. Ce soit pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas de lore, en fait. Il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est juste des petites quêtes à droite, à gauche. Quand j'aurai de nouveau une quête, du coup, de la campagne, je reprendrai le tournage. Voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, à beaucoup, beaucoup plus tard pour moi. Bien, nous nous retrouvons. Alors, quelques... Oh, 2 bonnes semaines se sont écoulées, je crois. Peut-être qu'une semaine. Attendez, je vais vérifier juste ça. Combien de temps se sont écoulés depuis la session de... dernière session de tournage, j'ai pas regardé. Non, attendez, excusez-moi. C'était... Ah si, quand même. 8 jours. Ouais, non, mais c'est ça, c'est 8 jours. 8 jours se sont écoulés depuis la dernière session de tournage. Hop, je vais fermer cette fenêtre. Et mon PC, déjà... galère. Bon, c'est pas grave. Hop. Ok, d'accord. J'ai compris. Alors. Hop. Excusez-moi. On va couper 2-3 trucs. Notamment ça. Ok. Excusez-moi, je vous demande juste un instant. Qu'est-ce que je peux fermer d'autre? Ça m'est pas utile pour le moment. Hop. C'est bon. Allez, je mets mes ventilateurs à 100%. Et puis ça va tourner comme ça pendant les 4 prochaines heures. Les 5 prochaines heures de tournage. Se sont réveillés. Comment ça? Que les eaux vous protège. Honorez tous les draconiens. Mais non. Que les vols vous protègent. Mais... Attendez. C'est une quête qui se renouvelle, ça, en fait? Ah, hebdomadaire, exact. Putain, c'est une quête à faire toutes les semaines. Bon, bah tant pis, je vais la garder, du coup.
Mais d'accord, je ne le savais pas. Et apparemment, j'ai encore une quête là-bas. On va voir. Bon. Fait chier, je l'avais fait, mais je ne l'ai pas validé. Bon, c'est pas grave. J'ai vu que la reine avait un... On va d'abord aller jeter un coup d'œil à la statue de Tyr. Donc on est là. Ouais, ok, parfait. Je vais éprouver votre courage. Ok, dans les pas de tir, les plaines d'Onana. Donc on va faire ça. Trouver la deuxième épreuve de tir, ok. Pour bénéficier à nouveau de la pleine puissance du moteur, vous devez encore vous prouver digne des inventions de tir. Trouvez ma statue érigée sur les plaines d'Onara pour en apprendre davantage. Ok, donc on va faire ça. Mais ça tombe bien, on va passer par la tour pour ça. Hop. Regardez-moi cette maîtrise maintenant. J'ai joué pas mal, hein, je vous avouerai. Si on regarde. Mince. Hop. Si on regarde, du coup, je suis au niveau 4 de l'expédition de Dracaré. Je dois arriver niveau 19. Pour continuer ma couture. Ça va être long. Mais ça se fait. Voilà. Et surtout, on peut prendre, du coup, ce point-là, la redirection à faible vitesse d'efficacité d'accélération est augmentée jusqu'à un minimum de 50%. Ouais, bon, ok, d'accord. Si tu veux. Et du coup, la prochaine étape, c'est ça, la bourrasque d'Onara. Bon, on verra ça. Voilà. Autre chose, quand je suis en dragon, enfin quand je suis à dos dragon, j'ai pas vu que j'avais ce pouvoir-là qui me permet de revenir à un point décidé à l'avance. Voilà. Bon, bref. Voilà. Autre chose, il y avait en haut, au-dessus de cette coupole-là, il y avait un glyphe que j'ai récupéré. Voilà, j'ai récupéré quelques glyphes. Hein, voilà, il y a... Salutations. Ok, en route vers le bastion de tir. Le vol dans okay. La panique rouge protégera ce monde. Cela fait des siècles que les voies n'ont plus remis les pieds, que les vols, pardon, n'ont pas remis les pieds au bastion de tir. Pourtant, nous devons nous y rendre pour vérifier si la pierre de vœux originelle est encore opérationnelle. Venez me rejoindre au siège des aspects. Nous devons découvrir quels dangers nous attendent dans l'ancien bastion de tir. Retrouvez l'extraseur au siège des aspects. Bon. Bon, on va d'abord faire cette quête-là. Je vous rappelle qu'on passe les quêtes secondaires, hein. On se concentre sur le... Et c'est parti! Bah alors, ah voilà. Ouais. Mince, il y avait un glyphe dans le coin, je l'ai pas vu. C'est pas grave. On va se concentrer sur les missions et si jamais vraiment je vois un glyphe dans mon champ de vision, je ferai un détour. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Ah, ok, il y a une autre... Alors, à votre approche, une faible... Putain, les gars, vous faites un vacarme du diable.
À votre approche, une faible... On dirait qu'ils m'ont entendu, c'est dingue. Une faible lueur illumine l'inscription de la statue. Faites appel au pouvoir du gardien ainsi qu'à l'inébranlable détermination de celles et ceux qui se... qui ne baissent jamais les bras, pardon. Terminez la deuxième épreuve de tir dans les... Ok, et vous recevez essence en bouteille. Ok, bon. Un autre défi vous attend. Faites-moi savoir quand vous voudrez vous y mettre. Je vous salue. Ne faiblissez pas. M'en douter. Vu que j'ai vu les autres combats, je me suis dit, ça va être ça. Bon, ça va. Ouais, mais à mon avis, il y a plusieurs salves. À mon avis, il va y avoir plusieurs salves. Attendez, je vérifie juste que... Attendez. Juste un truc. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Mon micro, vous m'entendez bien. J'avais un doute, c'est pour ça. Et j'ai pas vérifié le son avant de lancer l'enregistrement. Je dois d'abord choisir une cible. Guérison accélérée. Bien joué. La récompense est à vous. Notre veille continue. Retournez auprès du moteur de l'innovation de Valdraka. À une prochaine fois, mortel. Bon voyage. Bon. L'avantage, c'est qu'elle nous renvoie directement là-bas. Donc, on va pouvoir repartir de là-bas pour... quête, du coup, de la... Ravi de vous revoir. De la reine. Vous cherchez un défi à relever. Salutations, okay. Et donc, je vais devoir attendre une semaine... que ça revienne. Et apparemment, du coup, c'est réinitialisé les mercredis. Parce qu'hier, il y avait rien. Hein. Enfin, hier, j'ai pas la... me souviens pas si... Non, la quête, je pouvais toujours la valider. Donc, à mon avis, ça doit être réinitialisé les mercredis. Merde, je suis un peu trop haut. Ouf, ça fait mal. Lui parler. Ah oui. Ah, elle va nous emmener directement à Tyr. Ok. Je l'ai pas vu. Les pierres de vœux des vols étant restaurées, nous allons pouvoir en canaliser l'essence dans la pierre originelle, afin de recouvrer nos pouvoirs à spectraux. Cet artefact sacré, symbole de notre unité, nous attend dans le bastion de Tyr. Koranos, que pouvez-vous nous dire à son sujet? Cela fait des siècles que nous n'avons pas remis les pieds dans ce sanctuaire. Quand les îles se sont éveillées, les gardiens de Tyr ont aussi été tirés de leur sommeil. Si une partie est retournée à son devoir premier, d'autres se comportent de façon imprévisible. Si vous vous y rendez, je ne peux pas vous garantir que vous serez bien accueillis. Je comprends. Cependant, avec le soutien de notre ami, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Comment je suis stylé! Putain! Non, la capuche des Ventir, franchement, je regrette pas d'avoir choisi les Ventir à Shadowland.
La capuche est beaucoup trop stylée. Avec l'ultalèche dans l'eau, hein, la faute d'œil levant, hein, que j'adore. Comment vous allez bien? Seul compte l'instant présent. Je suis tout à fait d'accord. Bon, Kalégos, hein, du coup, Kalégos, un petit peu le dragon avec lequel je vais plus me lier, entre guillemets, parce que bah, le vis-à-vis de ma couture. Parce que c'est de la trame azur et du coup, c'est lié au vol bleu. Allez, let's go! Ah oui, c'est juste là-bas, tir en fait! Oh, c'est à côté! Enfin, à côté. C'est à. C'est à une borne et demie, mais. Mais à vol de dragon. Le bastion de Tyr est assiégé. À charge pour vous d'éliminer les troupes d'invasion. Wow, 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 wow! Ah ouais, là, attendez. Ouais, c'est bon. Ouh, parce que là, mon proco, il est monté haut en température, là. Enfin, je sais pas si c'est le proco ou la carte graphique, mais là, le... Là, j'ai eu un coup de chaud dans le PC, là. La pierre de vœux originelle est un cadeau que les titans ont offert à nos vols il y a fort longtemps, Si l'on en croit ce que nous avons découvert, je devrais pouvoir réactiver et restaurer. Et restaurer ce faisant nos pouvoirs ancestraux. D'accord, ok, oui. Nous ignorons ce qui nous attend, mais en nos échanges de nos chances de succès ont beau être minces, je dois tenter le tout pour le tout. MDG Normand, je vous serai gré de bien vouloir m'accompagner. Aider Alestraza à la pierre de vœux originale. Alors, d'un côté, je suis extrêmement surpris que cette architecture, et notamment ses colonnes, ait survécu 10 000 putains d'années. Quand on voit, nous, par exemple, en 2000 ans, ce qui est arrivé, par exemple, au Panthéon d'Athènes, faut dire quand même que, bon, et encore, c'est un bâtiment de l'Antiquité qui est encore très mal entretenu. Les pyramides d'Égypte, par exemple, le revêtement qui était censé y avoir sur les pyramides a été érodé il y a quand même longtemps. Ça n'a pas tenu 2000 ans, même si les pyramides sont toujours debout. L'érosion du temps a quand même fait son œuvre. Donc, quand je vois déjà sur nous, nos bâtiments les plus anciens, les dégâts du temps. Ça, fois 5, et c'est dans cet état-là, franchement, je dis les architectes, ils sont doués. Ils sont doués. D'un autre côté, c'est de la magie draconique. Donc si on prend en plus le côté draconique du truc, pourquoi les chances seraient simples? Normalement, c'est de la magie draconique extrêmement... robuste, ça a fait ses preuves. En quoi les chances sont minces de réussir à réactiver cette pierre? Je comprends pas. Donc il y a un petit peu deux choses qui se contredisent. C'est que d'un côté, 10 000 ans d'architecture ont survécu, ce qui est déjà un miracle en soi, hein, mais on peut mettre ça sur le compte de la magie draconique. Et d'un autre côté, les mecs doutent de leur magie, comme quoi elle aurait survécu 10 000 ans pour une simple pierre à réactiver. Enfin, les mecs. La reine, en l'occurrence. Donc, la meuf, on peut dire. Non, la reine. On va rester poli. On va rester poli. Non, on va y arriver. On va y arriver. Notre dernière tâche nous attend. Joignez-vous à moi encore une fois. Allons-y. Protégez. Ah. Je dois vous remercier. Vous avez aidé les vols draconiques à se rappeler leur vocation. Les pierres de vœux étant restaurées, nous pouvons enfin récupérer notre pouvoir aspectral.
Pourvu que cela fonctionne. Rien ? Mais les pierres de vœux ont été restaurées. Comment est-ce possible ? Il semblerait que vos titans aient fini par vous abandonner. Razageth ! Qu'as-tu fait ? Tu n'as eu besoin de personne pour prouver que tu étais indigne. C'est stylé. Je dois buter ce mec là. Putain, j'ai toujours pas le suivi hein, des quêtes à droite là, c'est chiant. Bon. Non, bah il est déjà là, y a pas de problème. Ah, attendez, hop, voilà. Je vais juste me mettre au sol. Et puis du coup, hier je me suis fait un mob à 6 millions de points de vie. Franchement, lui il a 10 fois moins. Ah bordel, j'ai encore le bug avec le. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un étourdissement. Ok, d'accord. Ok, alors ça par contre c'est pas cool. Je me régène sur sa tronche. Hein. Wow. Je veux pas savoir ce que c'est. Il est où? Il est par là. Cible incorrecte? Quoi? Je dois faire quoi? Je suis hors de portée. Ok, je devais juste attendre. Je vais continuer à me régénérer un petit peu sur sa tronche quand même. Voilà, c'est bon. Ok, faut juste attendre. Mince, je suis trop près. C'est bon. Allez, c'est bon, il est quasiment mort. Comment ma force a-t-elle pu ? Quoi ? Ah. Content de vous voir en un seul morceau. Ma vision avait laissé paraître que vous étiez en danger. Je suis venu le plus vite possible. Ouvrez votre esprit à ce qui doit advenir. Nous avons presque retrouvé notre puissance. Si Razageth parvenait à ses fins avant que nous ayons réussi, j'ai peur que les voies temporelles mènent Azeroth à un sombre futur. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, MDG Normand. Vite, vous devez trouver Alexstrasza et l'aider avant qu'il soit trop tard. Trouver Alexstrasza. Ok. Faites très attention. Et les autres dragons, les autres aspects, qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que.
Ils sont où là? Irion, son frère, le vol vert, le vol bleu, ils sont où là? Juste Calégos, c'est ça pour le vol bleu? Sans déconner, je vais encore devoir sauver le monde tout seul. Merde. Ah ouais, si loin que ça? Si, c'est bon, ça rentre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Cette architecture, je connais, c'est de l'architecture titan, ça. Toute vie mérite d'être sauvée. Non, nous avons enfermé les incarnations pour protéger ce monde de leurs intentions maléfiques, mais Gastrasek cherche à les libérer. Nous devons l'empêcher. MDG Normand, si vous ne l'arrêtez pas, toute vie sur notre belle Azeroth sera menacée encore! Je dois retourner auprès de Nosdormu au siège des aspects. Mais non, reste là! Pour tenter de nous préparer à ce qui nous attend, mais ne vous en faites pas. Je vous abandonne pas à votre triste sort. Kalégos et Kadar viendront nous rejoindre lorsque vous vous aventurerez dans le caveau. Bonne chance, champion. Entrez dans le caveau des incantations et venez à bout de Rasgrasset. Déjà? Wow. Wow. 1500 points. La vie trouve toujours un chemin. 1500 points. Je l'ai pas vu. La vie trouve toujours un chemin. Ouais, il paraît ça. Wow. Ouais. Wow. Je pars chercher du secours. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Vous voulez pas que j'y aille? J'irai plus vite. Bon, ok. Excusez-moi. Mais disons qu'elle était pas rapide, là, la reine, pour le coup. Bon, allez. Hein? Je peux pas rentrer? C'est un raid. Non, elle. Atteignez le rang 12 donc de Valdraken. Il manque une faction. Les Marouk. Les marrons qui puent? Bon. Alors, est-ce que je suis juste pas dans le bon mode? Mode raid normal.
Non, ça semble pas être la problématique. Ah, donc on est coincé à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, on a autre chose à faire. Ici, il faut qu'on prête allégeance soit à Irion, soit à Sabellian. Donc je pense qu'on va faire ça. Et on va y aller en fly, hein. On va pas s'emmerder. Quoique, si on n'y allait pas en fly, parce que le problème c'est que je crois que je pars d'assez bas, hein, ici, hein. Faudrait que je puisse monter. Ouais, non, on va partir en fly. Mon aide vous est acquise. Qu'est-ce que c'est que ça? Tempête élémentaire. Ah. Hop. 30 d'obsidienne. Allez, on va aller s'occuper un petit peu du vol noir. Ou alors... C'est quoi? C'est O déjà, je crois. Non, c'est pas O, c'est I. C'est ça. Donjon. Non, Red. Red. Non, le JCJ, on s'en fout. Ça, c'est pour les modes mythiques. Faut se constituer une équipe. On pourrait possiblement être 2 DPS, un tank. Il nous manquerait un heal. Parce que si on s'organise avec Zari et Elodie pour jouer, on peut le faire. Mais faut que les trois, faut qu'on soit tous les trois à ce point-là. Donc déjà, ma compagne Elodie va devoir trahir d'un peu le jeu, je vous avouerai. Parce qu'on est encore loin, hein. avec mon mage, voilà, on est encore loin. On est encore loin du truc, on est quasiment encore au début. Hein. On est... on en est à l'étape... Bah, on en est simplement à prendre le vol de dragon, c'est ça. On est arrivé là, à l'endroit où les œufs sont à la couveuse, pour faire simple. Et on est sur le point de... Donc moi avec mon mage et elle avec sa chasseresse, d'apprendre le vol de dragon. Donc on est encore assez loin au début du scénario, quoi. Après, sinon, le reste de l'extension est cool, hein. Les proto-dragons prennent un peu trop leur aise aujourd'hui. Éliminez-en quelques-uns que nous puissions travailler en sécurité. Wow, 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 eh.
Décidément, c'est drôle, j'ai pas vraiment de problème de surchauffe quand je tourne pas. J'ai l'impression que c'est la combinaison jeu et OBS. Qui nous lie est digne des légendes. Puis-je compter sur votre aide ici, à la citadelle ? J'amène une nouvelle génération de dragons noirs dénués de corruption. Vous auriez tout intérêt à être de notre côté, alors que nous prenons nos marques sur Azeroth. Là, je suis face à un choix compliqué. Irion, ça fait longtemps qu'on le connaît. Et il a une haute estime de nous. Mais, on sait que c'est quelqu'un d'impulsif. Et que c'est son principal défaut. Il est beaucoup trop impulsif. Qui en fait un mauvais candidat à être un dirigeant. De l'autre côté, Sebelian, on le connaît très peu. Mais il a montré être un fin stratège. Et de ce qu'on a entendu de lui, c'est plutôt quelqu'un de réfléchi. Ce qui peut potentiellement en faire un très bon leader. C'est compliqué, est-ce que si je clique... Elle dit généralement, voilà bien des années que nous travaillons ensemble et nous avons déjà réalisé ce que beaucoup pensaient impossible. Nous avons combattu pour protéger ce monde et assurer son avenir. Nous avons terrassé les plus redoutables adversaires. J'ai toujours pu compter sur votre soutien indéfectible et votre amitié. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de votre allégeance. En retour, vous aurez votre part de la récompense. La récompense est une chose, mais l'avenir du vol draconique noir en est une autre. Sachant que le précédent aspect, c'était aile de mort... Je suis pas sûr qu'un dragon extrêmement impulsif comme toi soit le choix le plus judicieux. Qu'est-ce que nous dit Sebelian ? Votre soutien serait bienvenu, prêtez-moi allégeance et aidez-moi à prendre le contrôle de la citadelle et d'assurer l'avenir de tous les dragons. Plus formel. Un ton un peu politicien quand même là. Je sais pas trop. Allez, ça va être simple. Non, faut pas que je change mon navigateur. Je vais faire ça sur mon téléphone. Déjà que mon PC galère, alors si en plus je lance Firefox, on n'est pas dans la merde. Hop, Firefox sur téléphone. Hop, random. Random.org.
Ok. Minimum 1, maximum 100. Si le nombre sur lequel je tombe est impair, je cliquerai sur Sabellian. Si le nombre que je vais générer est pair, alors je cliquerai sur Irion. Ouais. 82. Je vais choisir Irion. Ce sont les dés qui ont choisi. Ce sera Irion. Ah. Alors, on nous donne encore le truc. Alors, connaissance. C'est quoi connaissance? Connaissance. Ok. Alors. Ok, alors je vais vous traduire rapidement du coup pour Irion. Hein. Depuis le moment de sa naissance, Irion a été déterminé à nettoyer le vol de dragon noir de la corruption. L'un de ses succès est son... Et, là, et pour faire simple, son intention de protéger... c'est de l'attention qu'il a portée à Azeroth et à sa protection. Pour Irion, être à la tête du vol du dragon noir n'est pas juste un droit de naissance, c'est sa destinée. Et Sebelian, alors Sebelian se retourne from Outland, marqué de retour. Sabellian est revenu des Outlands, je sais pas où c'est, marqué par le retour de la nouvelle génération de dragons noirs. Il est déterminé à voir le vol retourner à sa plus haute forme de splendeur. Réduire la corruption qui l'a teinté. Pour Sabellian, tenir la tête en fait du vol de dragon est un devoir. Il veut voir ce devoir accompli et son vol protégé. Putain, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ils ont tous les deux la volonté, je veux dire, c'est... Sans déconner, c'est à moi de prendre la décision. Ah, for the week. Pour la semaine. C'est même pas un choix définitif. Oui, bon. Les troupes d'Irion vous donneront des occasions d'améliorer votre réputation. Souhaitez-vous choisir Irion? Oui.
D'accord, ok. Et donc? Je sais pas trop du coup. Avec cette clé, nous allons pouvoir franchir la barrière du caveau et éliminer la vermine qui l'a infestée. C'est quoi cette histoire de clé? Ah non, j'ai pu rentrer. Ouais. On va pas s'y frotter. Du coup, ça m'aide pas trop. Je sais pas trop quoi faire en fait. Nouvelle quête draconique noire. Donc c'est ça. Les clés de la loyauté. Ouais, donc c'est ça. Du coup, je sais pas quoi faire là. Le truc, c'est que je sais pas où est Irion, quoi. Je dois trouver Irion, en fait. Sachant que c'est optionnel, hein, le fait de trouver la clé. Ah non, mais faut trouver un groupe, en fait. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est de la quête de groupe. Bah, je suis coincé là. Alors, cette quête-là, elle est buggée. Enfin, du moins, j'ai pas réussi à la faire. Ainsi que celle-là. Celle-là, les expéditions supply, je ne les trouve pas. Ah zut, j'ai plus d'eau, moi. Donc, ça, c'est OK. Là, par contre, ça, c'est simple à faire. Je vais m'inscrire à un groupe de raid. Enfin, un groupe. Non, s'il te plaît, non, tu...